Et toi, tu t'appelles ? Maël. Maël. Yes. Alors les amis, de base, je devais voir une amie, voilà, tranquillement. Mais il se trouve que c'est plus fort que moi et je me retrouve actuellement au Parcours Parc de Nantes, de Parcours Parc des Berges. Avec moi se trouvent plusieurs acolytes, un peu la commu de Nantes, donc ça fait hyper plaisir. Comme je suis d'humour un peu joueuse, et ben j'ai envie de leur faire gagner un bracelet Vintage Tran. Et pour cela, on va faire un espèce de speedrun, voilà. Salut. Salut, ça va? Il y a un petit parcours d'obstacles et celui qui fait ça le plus rapidement possible, et il gagnera mon bracelet Vintage Tran. Ok, voilà. Je peux participer? Ouais, bon, ok, c'est parti. J'ai juste set up quelques règles, c'est-à-dire qu'il faut pas toucher le sol. Pourquoi? Ça les forcera à pas se presser et du coup à pas se blesser, parce que comme il vient de pleuvoir un peu ici, les structures sont un peu humides et je veux vraiment pas que les gens se blessent. Je vais ralentir un peu le rythme avec cette règle-là. Et 1, 2, c'est parti. Allez. Attention. Et bim. Dommage. Yes, allez, tranquille. Exactement, très très bien. Bim, et là tu peux te dire. Ok, très bien. Ah, le mec c'est un petit singe quoi. Yes. 1, 2, 3. Yes. Parfait, c'est bon, c'est bien. Continue. Non, il faut que tu pushes un. Ouais, c'est bien. Oh non. Dommage. Yes. Allez, tu peux le faire. Le mec il a pas le temps quoi. Allez, vite. Excellent. Ah ouais, allez, jusqu'au bout. Yes. Excellent mec, bien joué. 2, 3. Nickel. Allez mon gars. Allez, c'est bien. Parfait. Yes. Eh, pas mal hein. Petit record. Nickel mec, c'est bon. On a un vainqueur, bravo à toi, Joao. Voilà pour toi mon bracelet. J'ai sûrement gagné. Bravo à toi. Il a été meilleur. Je suis actuellement à Pornichet. Je viens faire la surprise à ma mère, en fait, qui a son anniversaire demain. Et elle ne sait pas du tout que je vais lui rendre visite. Donc je vais filmer sa réaction en live, ça va être très marrant. Et en face de nous, on a la plage de Pornichet, sur laquelle j'avais fait aussi des images à un meet-up il y a un an. Donc je vous présente ces images maintenant. Ça va? Tranquille. Salut. Ça va, tranquille. Salut. Chaque fois que je vous vois, je viens avec une board différente. Ça commence à bouger, c'est bien. Allez, gros, c'est là. Allez, on commence par les poignets. Baisse-toi un peu, c'est prêt? Comme la dernière fois, les cires, il ne faut que regarder, ils ne tracent jamais. Il a peur du vide, hein, quoi. Yes, allez. Yes. Allez, je m'en fous, je l'ai en vidéo. Bon, allez, c'est pas le trou, mais le tampax, je vais aller voir ma mère, c'est parti. Ha ha! Allez, franchement, c'est cool! Et ouais, surprise! I was trying to phone you, mais c'était trop compliqué. Et ouais, cute mom. I was about to clap and I saw you, je fais wow! C'est cool! Oh, he's hiding there! Somebody was cutting the notch! It's too late for them to cut the hedges. Huggy mom! C'est cool. C'est une bonne surprise ou pas? Yeah. Ok. Yeah, because I'm thinking how I'm gonna spend my birthday. Hey. Maybe I just go to the market and buy myself something to eat. Hey. Yeah. You know, go and take a swim.
Bon, du coup, là, je suis à La Bolle Plage et on va réessayer de faire des saltos arrière. En fait, ça fait 6 mois que j'en ai pas fait. Il y a beaucoup de gens sur la plage et je vais sûrement me croûter dans les premiers essais. Donc, je vais essayer de faire abstraction de tout ça. C'est parti. Bon, du coup, là, je suis sur la côte sauvage du Croisic. C'est magnifique. Voilà. Bon, par contre, les rochers sont un peu friables, donc je suis pas en position très sereine non plus. Néanmoins, comme c'est tellement beau, j'ai pas pu résister de mettre sur ce rocher. Des deux côtés de moi, il y a un peu de vide. Je vais essayer de bouger le moins possible pour éviter de déclencher des chutes de rochers. Ça serait ballot si ça arrive. Les côtes sauvages, c'est un endroit que j'apprécie énormément puisque c'est pas très loin de La Bolle. On peut y faire de l'escalade un peu plus loin sur les rochers qui sont un peu moins friables. Et là aujourd'hui du coup ce que je vais faire, c'est que ma mère en fait elle m'a largué un peu ici en voiture et moi je vais revenir vers La Bolle en skate électrique, ce que je fais souvent d'ailleurs, mais là comme il fait tellement beau, je vais documenter un peu le trip et vous montrer tout ça sur le chemin. C'est parti. Voilà, c'est très plaisant de se promener un peu sur les côtes sauvages là en skate avec le vent et tout. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de vent, je pense que vous devez pas trop m'entendre. Là il y a une petite plage pour lancer des petits saltos arrière, je vais m'arrêter là. Donc c'est parti. Hop là, j'arrête là. Voilà, bon, c'était assez rapide. C'est chaud quand même, hein. Je vais reprendre la route et je vais aller à la baie des Deux Sœurs. Donc voilà, c'est parti, ça me rappelait des bons souvenirs. Voilà, donc c'est là en fait, c'est de là que je plongeais. Mais comme vous pouvez le voir, c'est loin d'être praticable pour de la plongée. Mais je vais me baigner parce que ça a l'air paradisiaque. Mais par contre, je viens de repérer une méduse dans l'eau. Donc je vais essayer de l'éviter sur la sortie du lagon, quoi. Enfin, du lagon, du truc, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vois quelqu'un qui vlogue, et puis je me dis de loin, je fais, mais attends, je reconnais que sur ce skate. Ah bah nickel, je m'apprêtais à me baigner, mais il y a une petite méduse là que je vois au loin. C'est méduse de partout donc. C'est pas grave, je vais juste me tremper un peu vite fait. Le bas du corps quoi, dis bonjour à la caméra. Donc voilà, je sais pas si vous voyez la méduse, elle est juste là. Ouh, putain, elle est fraîche, hein. Putain de sa. Ah ouais, méduse de ouf. C'est pas bon, le courant là il est en train de faire venir la méduse jusqu'à moi là. Ah oui, j'ai aussi oublié de le mentionner, mais en fait là sur mon orteil, vous voyez, c'est complètement noir, rouge en dessous de l'ongle. C'est parce qu'en fait hier matin, j'ouvre la porte de la maison et mon orteil se coince en dessous de la porte. Et là je peux vous dire que j'ai arrêté de respirer pendant plusieurs minutes tellement que la douleur était aiguë, était intense. J'étais tétanisé, j'étais immobile en train d'essayer de... respirez grandement pour essayer de calmer la douleur. Vous connaissez la douleur que ça fait quand vous cognez l'orteil sur un angle ou que vous marchez sur un Lego. Sauf que là, c'était coincé en dessous de la porte. Du coup, je pense que la douleur était multipliée par rapport au reste. Donc, c'était dur. La douleur, c'était comme si on mettait une écharde en dessous de l'ongle et qu'on soulevait l'ongle comme ça, comme un levier en fait. C'était exactement la même douleur. C'était dur. Voilà les amis, c'est la fin du vlog. Donc toujours à Paris pour le 20e jour de confinement. J'espère que cela se passe bien pour vous, que vous tenez bon. Moi, mes cheveux et ma barbe poussent sévères. Peut-être qu'à la fin du confinement, je ressemblerai à un vieux sage chinois. Qui sait? En attendant, on se voit dans la prochaine vidéo mercredi où je vais escalader un toit à La Bolle que j'ai toujours rêvé de monter. Donc sur ce, ciao ciao les amis.